c'est moi, James, et aujourd'hui, je m'occupe de la chaîne YouTube. Non, je déconne, je suis Kiki. C'est du monde. Juste, c'est mon chat. Ah bah attendez, regardez-le. T'es mignon, hein. Bon, allez, vas-y, casse-toi, bébé. Casse-toi, bébé. Bon, donc, bonjour tout le monde. Bonjour, la politesse. Et donc, aujourd'hui, c'est la chaîne Miguel. Donc, aujourd'hui, je suis allée dans une vente de garage et j'ai trouvé pas mal d'affaires un peu intéressantes. Deux objets, c'est pas beaucoup, mais j'ai pas souvent beaucoup d'objets à présenter souvent. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la dernière fois, je vous avais dit, j'avais trouvé une chose à peine dans ce magasin. Donc, celle-là, je l'ai pas achetée à cette vente de garage-là. Donc, c'est même une chose à peine. Ça, c'était celle-là que j'avais trouvée là-bas dans le magasin. J'ai trouvé une autre, mais qui ressemble un petit peu. Donc, ça, c'est celle que j'ai trouvée dans le magasin. Et voici cette version de Apple qui est sortie un peu avant la blanche, je crois que je vais montrer tantôt, que j'ai trouvée à la vente de garage là-bas. Donc, elle est fonctionnelle. Là, avec le USB, il y a un petit logo de Apple dessus, c'est trop chou, c'est trop mignon. L'Apple Mouse, genre Pro Mouse. C'est ça qui est écrit, ouais. Et en dessous, là, il est marqué, non, ça c'est vraiment de l'autre marque, c'est Jérémy Busk. C'est ça, ouais, Jérémy Busk. Ça c'est une souris Apple, mais c'est de la marque Jérémy Busk. Et ici, c'est vraiment la souris Apple pour Mars. Ensuite, ici, j'ai ça ici. Donc, devinez c'est quoi? C'est une sorte de caméra, mais qui enregistre très bien. Donc, moi j'appelle ça un caméscope, je sais pas pourquoi. Donc c'est une caméra qui fait du 1080p, 8 mégapixels, pas vrai, 8 mégapixels, et qui fait, je pense, lecteur MP3 aussi. Donc il est tout très beau. Donc dans la... ça c'est la boîte, attendez, je vois la boîte, il y a le caméscope dedans. Je vais vous montrer, ça c'est, voici le derrière, sur les côtés. Alors, sur les côtés, il y a une prise USB, HDMI, et AV, donc c'est-à-dire prise jack un peu. Ici on a une switch, je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être la regarder, mais je l'ouvre. Ici on a un haut-parleur en dessous. Ici on a la plaque ici pour rentrer les cartes SD. C'est un petit couvercle qui s'ouvre. Et là à l'avant, on a les boutons, l'écran ici. Et c'est de la marque GVC. Donc je sais, je suis pas sponsorisé par cette marque, mais je le fais quand même. Donc voilà. C'est ton HD, bon, vous avez la preuve. Et regardez ce qui est écrit en bas, c'est 1080p pixels, 1080p. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est cool, c'est cool, cool. Ce que je peux faire avec ça, c'est je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais le mettre. Regardez, on va appuyer sur ce petit bouton ici. Et voilà, et c'est le, c'est merveilleux. Là, voilà, on a l'appareil photo qui est déjà parti en marche. Donc là, on est en vidéo. Là, ça filme en ce moment, donc moi je vois ce que je fais dans mon téléphone. Et là, moi vous me voyez, check. Regardez, ma tête est dans une caméra. Donc là, on va faire une vidéo. Vous avez le mode vidéo. Pour faire ma vidéo, vous allez voir, le logo va venir rouge en haut. Vous voyez, il est venu rouge ici. Donc ça, c'est pour dire que ça enregistre et on a le petit chronomètre. Le petit calculateur qui nous dit nana, vous avez fait ça de temps, 1 minute 2 secondes, nana, vous voyez, c'est la première temps. Ils avaient même le mode appareil photo, donc là, je sais pas si ça fait vraiment ce que j'ai dit dans tout quand j'ai dit que ça faisait là, ça peut... là on est en mode flore, pourquoi flore? Bon, bref, attendez, il faut que je... là je me revire un appareil photo 8 mégapixels. C'est vraiment une qualité de ouf. Regardez, bah, vous voyez peut-être moins bien vu que ma caméra, c'est mon iPhone qui filme en ce moment. Je vais fermer les stores comme ça, on va voir. Il va faire plus clair, hein. Il va faire moins clair, mais ça va moins paraître. Je vais fermer ce sera comme ça. Et voilà. Et voilà, non, c'est, je sais pas si c'est mieux. Bon, je crois que c'est mieux comme ça.
Bref, voilà, donc c'est ça que j'allais chercher. Je peux pouvoir l'éteindre. Ouais, comme ça. Donc vous appuyez le bouton ici, vous lâchez, et voilà, il s'éteint. Donc voici, c'était le caméscope. Voilà, donc on peut le mettre là. Attendez, je vous ai pas dit ça. D'accord. Et il y avait aussi une file AV, donc la prise qu'il avait, vous mettez directeur, mais vous pouvez aussi le brancher sur votre TV. Donc peut-être que je pourrais faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mes objets que je vous ai présentés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Peace.